Bonsoir, chers amis téléspectateurs, et bienvenue sur Radio Oumouli. Ce soir du mardi 24 mai 2022, vous êtes avec votre serviteur Aloïse Simpunga, et je suis heureux d'être avec vous. Je suis avec des invités, je vous ai prévenu que cette soirée est spéciale. J'aurai des invités et des invités, mon Dieu, quel profil. Je suis avec deux écrivains, deux auteurs, et qui, à eux seuls, pourraient remplir ne fût-ce que un petit rayon de bibliothèque. Et ils sont spéciaux parce qu'ils ont beaucoup étudié, analysé, et les politiques, la géopolitique de la région des Grands Lacs, et spécialement la politique du Rwanda, que ce soit la politique intérieure ou alors la politique justement extérieure. Je suis heureux donc d'être avec eux ce soir pour qu'ils nous partagent leurs connaissances, leurs recherches et surtout leur analyse de la situation du Rwanda par rapport aux Rwandais même, aux Africains et aux Occidentaux. Je suis heureux donc de les accueillir. Je vais commencer par le plus âgé. Je pense que c'est l'ambassadeur d'Egypte, Jean-Marie Vianney. Mais je me lance, je ne suis pas sûr. Mais je commence par lui et comme je vous ai dit, ce sont des gens qui ont une certaine connaissance. Je voudrais qu'ils nous saluent et qu'ils nous présentent, parce que c'est une façon aussi de faire la publicité de leurs œuvres, parce qu'à eux deux, ils ont quand même des ouvrages sur la région, sur le Rwanda, qui est vraiment respectable. Ambassadeur d'Egypte, Jean-Marie Vianney, le moment de nous saluer et de nous présenter les recherches que tu as faites sur le Rwanda et sur la région. Bien, bonsoir, cher Aloïse. Bonsoir. Je vais quand même saluer Hervé Cheville aussi, puisqu'il est visible. Hein, on est ensemble. Oui, oui. Bonsoir à tous nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Hervé Cheville dirait nos visio comment ? Vidéospectateur. Voilà, vidéospectateur, c'est un nouveau terme. Eh bien, donc à tous nos amis qui suivent cette émission et à ceux qui la verront après. Hein. Maintenant, en présentation, moi je ne suis pas à proprement parler un écrivain grand format, je suis plus un essayiste. J'ai écrit sur des sujets précis, quelques livres, est-ce que je me souviens même de leur titre, je ne sais pas. Il y en a un que j'ai écrit et publié en trois langues, c'est Paul Kagame a sacrifié les Tutsis. Il est traduit en anglais et en Kinyarwanda. Ensuite, j'ai écrit un autre sur les relations France-Rwanda, là aussi pour la période 90 à 94 et un peu après aussi. Un peu l'historique de leur relation, en fait, où je me posais la question de savoir si la France avait participé au génocide rwandais. Parce que c'est la phrase qu'on entendait tous les jours en France, prononcée par différentes organisations, associations, sans but lucratif, mais peut-être à but politique. Et puis j'ai écrit un autre intitulé « Ultime automne ». Le jour où le président Habyarimana a perdu son bouclier. Et puis quoi encore, excusez-moi si j'en oublie, mais je n'ai pas écrit beaucoup de livres à proprement parler, même si c'est des livres qui portent un grand message et qui ont toujours retenu l'attention des polémistes. Si, si mes souvenirs sont bons, vous avez écrit aussi sur le Burundi. Ah oui, bien sûr. Ou quelque chose comme ça. C'est vrai que quand vous posez la question, je pense directement au Rwanda, mais j'ai écrit deux livres sur le Burundi. Le premier, c'est Bujumbura, mon amour. Et le deuxième, plus récent, c'est une sorte d'étude, d'analyse sur la situation au Burundi, mais aussi une approche comparative avec ce qui se passe au Rwanda
en me disant, en me posant la question de savoir pourquoi la démocratie burundaise est tellement fait peur aux autres pays de la région et en particulier au Rwanda. Et donc j'ai remonté plus ou moins les réalisations du président Nkurunziza. D'ailleurs, c'est un livre qui devait sortir au moment où le président Nkurunziza est décédé. Et on a dû en changer quelques chapitres pour le sortir après. C'est un livre qui n'a pas été très, très, justement à cause des circonstances. On n'a pas fait beaucoup de publicité du fait que Nkurunziza, qui était, je dirais, l'auteur principal de ce livre, est mort avant de l'avoir vu alors qu'on lui, on le lui dédicaçait. Mais effectivement, c'est un livre qui est sorti, qui est toujours sur Amazon d'ailleurs. Donc ceux qui désirent l'avoir peuvent chercher sur Amazon et ils le trouveront. Il y en a d'autres qui sont dans mes pipelines, mais la force et le temps me manquent pour les finaliser. Voilà, donc ne soyez pas trop modeste parce que ça fait déjà 5 minutes que vous nous donnez la liste des livres que vous avez écrits. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donnons la parole à M. Hervé Joséville aussi pour saluer ceux qui nous suivent et aussi nous parler de sa carrière comme auteur et surtout comme homme humanitaire. Hervé Joséville. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à tous vos vidéospectateurs. Alors moi, comme l'ambassadeur, je n'ai pas la prétention d'être un écrivain. Victor Hugo en était un, Alexandre Dumas aussi. Je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur, je suis un essayiste. Comme l'ambassadeur, je suis aussi un chroniqueur. Mais je n'ai pas la prétention d'être un écrivain, même si je cherche bien sûr à soigner ma langue française écrite, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens publient des livres et on a l'impression qu'ils sont en train de parler, alors que c'est quand même deux registres différents, l'écrit et l'oral. Et malheureusement, on retrouve parfois des livres dont on sent que l'auteur ne les a pas suffisamment relus avant de les publier. Moi, je dis toujours que la tâche la plus ingrate de l'auteur, c'est la relecture 100 fois, 200 fois, afin de traquer les répétitions, de traquer la moindre faute, et de toujours chercher la perfection, même si la perfection n'est pas de ce monde. Je suis un peu un perfectionniste, j'essaye en tout cas en ce qui concerne l'expression écrite. Bon, ceci étant dit, je ne vais pas vous ennuyer avec la liste de mes ouvrages. J'en ai publié à ce jour 9,5. Pourquoi 9,5? Parce que ce que je qualifie de demi, c'est un livre collectif. J'y avais participé, mais je n'en étais que l'un des auteurs. Alors les 9 qui ont été publiés sous mon nom, il y en a donc 9. 3 d'entre eux concernent en partie ou entièrement le Rwanda et en tout cas entièrement la région des Grands Lacs. Alors le premier qui m'a permis de me lancer dans l'écriture, c'est Kadogo, l'enfant des guerres d'Afrique centrale, que j'ai écrit en 2002, qui est sorti en 2003 chez l'Harmattan, qui est toujours disponible à l'Harmattan d'ailleurs. J'ai beaucoup de reproches à faire à l'Harmattan, mais de ce côté-ci, je dois dire que c'est quand même valable parce que même presque 20 ans plus tard, le livre est toujours disponible. Ce qui n'est pas le cas du second, que j'ai sorti en 2006, chez un autre éditeur, Percé Édition, que je ne recommande à personne, parce que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce livre est introuvable. Alors, c'était un peu la suite de Kadogo, c'était des chroniques sur la période 2003-2006. Et enfin, toujours pour la même région, en 2018, j'ai sorti Rwanda, 25 années de mensonges. Alors là, pour essayer de trouver un bon éditeur, j'ai été obligé de m'adresser à moi-même. J'ai créé une maison d'édition à Bastia et sur notre catalogue figure ce livre
C'est pas une grosse maison d'édition. Le Covid est passé par là, donc c'est pas une maison d'édition florissante. Mais en tout cas, sur le catalogue, il y a ce bouquin que j'ai voulu sortir avant le 25e anniversaire du génocide des Tutsis, donc avant 2019, justement pour allumer un contre-feu. Parce que depuis des années, je m'énervais à chaque mois d'avril, parce que chaque mois d'avril, il y avait toujours un déferlement de mensonges, d'accusations, de contre-vérités, même si je me plais à le répéter envers et contre tout, contrairement à ce que disent mes détracteurs à Kigali et ailleurs, je ne suis pas un négationniste. Je n'ai jamais nié le génocide commis contre les Tutsis. Mais le problème est que ce génocide commis contre les Tutsis est entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges. Donc, ce sont ces mensonges que j'ai essayé de contredire dans ce livre. Je ne sais pas si j'y suis parvenu. Afin de ne pas avoir à écrire un nouvel énième article que personne ne lisait, ou de sortir une nouvelle vidéo pour contredire les mensonges venus de Kigali et d'ailleurs. Donc voilà, ce livre est sorti peu de temps avant le 25e anniversaire du génocide. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, je suis devenu auteur avec le temps. J'ai commencé d'abord comme travailleur humanitaire sur deux continents, d'abord l'Asie, ensuite l'Afrique à partir de 1989. Et j'ai travaillé pour différentes organisations onusiennes et également organisations non gouvernementales dans différents pays. Les deux pays où j'ai passé le plus de temps sont le Malawi et l'Ouganda. Et le Rwanda, je n'y suis pas resté très longtemps parce qu'apparemment, je n'étais pas le bienvenu. Et mon séjour au Rwanda s'est terminé prématurément. Et je suis rentré chez moi ici en Corse. Depuis 2014, et donc je vis à temps plein maintenant en Corse, même si je continue à essayer de rester en contact avec l'actualité, rester en contact avec mes amis sur le continent africain, et moi-même à me rendre de temps en temps là-bas. Mais là, là aussi, le Covid est passé par là, et ça a réduit un peu mes ambitions de voyageur. Merci, Hervé Joséville. Vous voyez donc que je n'exagérais pas. J'ai donc comme invité des gens qui ont des ressources, qui sont des ressources, surtout sur le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, un sujet qui cadre vraiment avec les recherches que vous avez faites, que ce soit au Rwanda, que ce soit dans la région des Grands Lacs, et d'ailleurs une politique qu'on pourrait étendre, que nous allons étendre sur le monde entier. Le sujet qui parle de la politique de gouvernance de Kagame, de Paul Kagame et de son FPR. La crédibilité aux yeux des Rwandais et la crédibilité aux yeux des Africains et surtout la crédibilité aux yeux des Occidentaux, entre guillemets. Moi, en faisant des recherches, enfin, en préparant cette émission, je me suis dit que cette crédibilité est née de la crédulité. C'est une crédibilité qui est née de la crédulité. Vous allez nous analyser tout ça. Vous allez me dire si je me trompe ou si j'ai raison, ou si j'ai à moitié raison. Donc, c'est une crédibilité qui est née de la crédulité des gens et surtout de la cupidité des gens. Cette crédibilité, elle a des piliers. Monsieur Kagame et son parti, ils l'ont construite sur quelques piliers. Vous allez essayer de nous
montrer tout ça, comment ça s'est construit dans le temps, dans l'espace, et l'évolution de cette crédibilité, justement, parce que aujourd'hui, en 2022, cette crédibilité s'est beaucoup, beaucoup effritée. Il y a des raisons. Hein? Vous allez essayer de nous analyser donc, ces raisons. Pourquoi ces piliers, pourquoi cette crédulité a été moins évidente. Est-ce que la cupidité a baissé, qui est une grande raison de cette crédibilité qui a été octroyée à Kagame et son parti. Voilà, donc je viens de faire le tour de notre sujet et on va donc entrer dans le vif du sujet. Mais est-ce que d'abord, cette crédibilité, il y en a eu. Le FPR, depuis 1994, parce que même si, donc, depuis la défaite de l'ancien gouvernement, c'est le FPR qui a dirigé le pays. Kagame, en personne, a dirigé le pays depuis, je crois, 2003. Mais même avant, il était vice-président, mais c'est lui qui tenait vraiment les rênes du pouvoir. Alors, ils ont construit un système de gouvernance, ils ont construit une politique régionale, une politique internationale qui a étonné pas mal de gens, qui a certaines spécificités. Alors, sur quoi ils ont construit vraiment cette, entre guillemets, crédibilité et qu'ils ont bénéficié quand même pendant un certain temps, même jusqu'à aujourd'hui, hein, avec un certain niveau de cette crédibilité. Mais sur quoi, hein, grâce à quoi ils ont vraiment réussi à construire cette crédibilité. Nous allons commencer, hein, selon notre ordre d'avant, hein, sur l'ambassadeur d'Aguilima, Jean-Marie Vianney. Prenez votre temps, essayez de nous expliquer comment vous avez trouvé le régime FPR vis-à-vis des partenaires qui soient rwandais, qui soient africains, qui soient étrangers, déjà dès le début. Hein, parce que l'évolution, on va aussi en parler, mais sur quoi est construit, a été construit réellement le FPR, ambassadeur de Guillaume Jamaï Vianney. Je vous remercie beaucoup. Il y a déjà Hervé Chesuit qui a lâché la première raison, le mensonge. Il a dit 25 années de mensonges, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges qui ont pu peut-être donner une certaine crédibilité à ce régime, puisque nous parlons non pas du Rwanda, mais du régime de Paul Kagame, avec son parti FPR, Front Patriotique Rwandais. Moi, je pense que, effectivement, la première raison qui a pu faire que les gens croient à tout ce que le FPR dit, c'est la manière dont les choses sont présentées. Avant même d'attaquer le Rwanda, le FPR a procédé de cette manière-là. Ils ont publié des points qui constituaient leur cheval de bataille, pour ne pas dire leur casus belli. Ils ont dit, si on n'a pas ceci, on fera ceci. D'ailleurs, ils les ont publiés au moment même de l'attaque, hein, parce qu'avant, ils se tenaient quoi? Ils ne parlaient pas, ils n'écrivaient pas, ils se préparaient. Et puis lorsque la machine a été lancée,
immédiatement, ils ont envoyé un signal d'un mouvement démocratique qui veut réconcilier les Rwandais, qui apporte la paix là où il n'y en avait pas, alors que le Rwanda était un pays pacifique. La démocratie, où il n'y a pas de démocratie, c'est vrai qu'en 90, il y avait un parti unique. Quelques années plus tard, ils ont dit qu'ils ont attaqué le Rwanda pour arrêter un génocide, que c'était pour arrêter le génocide des Tutsis qui était en cours. Appréciez vraiment ce mensonge-là, je pense qu'il est trop gros pour... mais il y a des pays qui l'ont cru. Il y a des partenaires étrangers qui ont cru. Et lorsque vous écoutez aujourd'hui l'ambassadeur de France à Kigali, vous vous dites effectivement que... Parce que lui, il était à Kampala, donc il avait eu des contacts avec le FPR, il avait eu probablement des confidences. Lui, il croyait vraiment qu'il y avait un génocide au Rwanda en octobre 1990. Il l'a dit. Alors, si l'ambassadeur, ou en tout cas un des conseillers, l'ambassade de France à l'époque, à Kampala, a cru à ce mensonge, alors qu'il vivait en Ouganda, c'est que le mensonge valait la peine. Donc, c'était vraiment un mensonge à succès. La deuxième chose qui a convaincu aussi bien les Rwandais que les étrangers d'ailleurs, c'est l'utilisation de la terreur. C'est la terreur, faire peur aux besoins en utilisant les moyens forts. Vous savez, les premiers qui ont rejoint Paul Kagame dans le maquis, y compris avant même qu'ils ne prennent la tête du Front patriotique rwandais, mais lorsque la guerre a commencé, il s'en est pris à ses camarades qu'il a fait exécuter. Ceux qui dirigeaient le FR, ils sont tous passés à la casserole. Hervé Chazuil, tu m'excuses de ce genre de français. En tout cas, il les a mis à la casserole et ils sont bien passés. Après, les jeunes qui lui arrivaient du Burundi, du Zaïre, du Rwanda pour faire partie de son FPR, il y en a beaucoup qui ont été assassinés avant même qu'ils ne commencent les entraînements. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parlé français, on les avait entendus parler français, parce que certains avaient dit qu'ils étaient Tutsis alors qu'ils ressemblaient à des Hutus, parce qu'il y a des cas concrets connus. Ou alors parce que, comme le dit un de nos compatriotes aujourd'hui réfugiés à l'extérieur comme nous, telle personne a contredit ses camarades du FPR parce qu'il a dit que le Rwanda avait de bonnes routes, qu'il y avait des bons projets de développement, parce que les gens du FPR affirmaient qu'il n'y avait rien au Rwanda, que c'était un pays sauvage, qui n'avait pas d'administration, qui n'avait pas de projet de développement, et l'autre qui venait quand même de Kigali, il a dit non, là vous vous trompez. Il y a des routes qui ont été construites ces dernières années, il y a des centres de santé, il y a des écoles, il y a ceci, et il dit ah bon, tiens, donc tu soutiens Habyarimana. Ils l'ont tué. C'est son propre fils qui nous a donné ce témoignage-là, lui-même était membre du FPR à cette époque-là. Ça, c'est déjà un outil pour se faire respecter, mais dans la terreur, pour distiller la peur autour de soi. Est-ce que ça a concouru quelque part à augmenter la crédibilité du FPR? Je ne suis pas sûr qu'il faille utiliser le terme crédibilité, mais en tout cas à être craint. Et en soi, ça suffit pour Kagame. Ils peuvent me haïr, ils peuvent me détester, mais s'ils me craignent, c'est déjà ça. Alors, on évolue dans le temps. On ne va pas citer tous les mensonges du FPR. Hein. Déjà, quant à la raison de l'attaque qu'il a lancée le 1er octobre 1990, mais après, il y a eu d'autres. Il y a notamment tout ce qui concerne le génocide de 1994. Là aussi, le gros mensonge pour moi, c'est le fait que Kagame et ses camarades aient affirmé qu'ils avaient arrêté le génocide des Tutsis et que le génocide des Tutsis avait été préparé de longue date, déjà en 1959,
qu'ensuite il y a eu ça, il y a ça. Donc ils ont réécrit l'histoire du Rwanda en les maillant de mensonges. Mais un peu, sur ce point, si vous permettez un peu de vous interrompre, l'ambassadeur de Guillemard, Jean-Marie Fiané, justement, le FPR, ou les gens du FPR, si vous dites le génocide, il a commencé avec la chute ou l'abattage de l'avion du président Habyarimana et du président Burundi. Ils disent non, le génocide, il a été préparé et essayé en 1959. Bon, OK. Mais si vous leur dites, voilà, il faut aller bien avant 1959. Il y a eu aussi des massacres, il y a eu aussi des... Ils disent non, ça, il faut oublier. Donc, ils choisissent. Et puis, ils reprochent aux gens de ne pas utiliser et de ne pas respecter l'appellation et la décision du tribunal des Nations Unies concernant le génocide. Et le tribunal n'a pas dit avant 1994. Non. Ils ont bien délimité le génocide. Alors, pourquoi eux, ils se permettent de placer le génocide ailleurs, donc de ne pas respecter la décision du tribunal de l'ONU, mais ils imposent aux autres qui le respectent, qui respectent justement strictement ce que l'ONU a décidé. Donc, c'est quelque part une façon justement d'exploiter quelques petits mensonges par-ci, par-là, pour pouvoir justifier certaines choses. Voilà, donc c'était pour vraiment montrer beaucoup plus clairement qu'au niveau du génocide, il y a beaucoup à dire, comme tricherie, comme... Alors, pourquoi est-ce que le génocide a besoin qu'on triche dessus? Là, ce serait une autre émission, mais vraiment, vous avez raison. Et monsieur Joséville aussi, je crois, a beaucoup à dire là-dessus. Hein, pendant que vous prenez un verre d'eau et quelques gorgées d'eau, je crois que monsieur Hervé Joséville aussi peut continuer là où vous en étiez. Oui, alors moi, je distinguerais deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect extérieur, l'aspect international. Paul Kagame a très habilement joué sur un sentiment de culpabilité qui était particulièrement le sentiment du président des États-Unis, Bill Clinton. Et ensuite, ce sentiment s'est étendu à des pays d'Europe tels que la Grande-Bretagne et d'autres. Et ensuite, il a gagné la France. Culpabilité des États-Unis qui, il faut remettre les choses dans leur contexte historique, venaient de subir un échec cuisant en Somalie, où ils avaient laissé un certain nombre de morts de soldats américains. Donc ça, c'était, de mémoire, c'était au tout début des années 90, 92 peut-être. Donc les États-Unis se sont... Leur opinion publique avait été outragée parce que c'était en Somalie, ce qui s'était passé en Somalie, et les États-Unis se sont dit plus jamais d'intervention états-unienne en Afrique. Là-dessus éclate la guerre du Rwanda et le point culminant est atteint avec l'abattage de l'avion du président Habyarimana. Et ces 100 jours de folie sanguinaire vont d'avril à juillet. Et là, les États-Unis ont freiné des quatre fers pour ne rien faire, justement. La France, à l'époque, avait souhaité une intervention pour mettre fin à ce qui n'était pas encore appelé un génocide, mais les États-Unis, au Conseil de sécurité, s'y sont opposés. Ils sont même allés jusqu'à exiger le retrait des forces de l'ONU qui étaient présentes dans le pays.
Je n'ai pas préparé cette émission comme j'aurais dû le faire. Je n'ai pas toutes les données sous les yeux, mais Monsieur l'ambassadeur me corrigera si je me trompe. Je pense qu'en avril 1994, la force des Nations Unies était de l'ordre d'environ 4 000 hommes au Rwanda. Avec 4 000 hommes armés, bien équipés, il y aurait eu la possibilité de tuer dans l'œuf le processus génocidaire et donc d'éviter le génocide. Or, les États-Unis ont fait ce qu'il fallait faire pour que non seulement la force des Nations Unies n'intervienne pas ou pas suffisamment, mais qu'en plus, elle soit réduite, voire évacuée. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, la force des Nations Unies n'a rien pu faire pour arrêter l'engrenage meurtrier qui avait démarré à Kigali et qui, petit à petit, s'est étendu au reste du pays. Donc, je pense que le Rwanda d'après 1994 a bénéficié de ce sentiment de culpabilité des Américains, et également celui des Britanniques et d'autres nations européennes. Ce qui fait qu'on était prêt à tout pardonner, on était prêt à fermer les yeux sur de possibles excès, sur de possibles atteintes aux droits de l'homme, en se disant que de toute façon, le président Kagame, moi le vice-président à l'époque, mais parce que la réalité du pouvoir, comme vous l'avez souligné, lui appartenait depuis le premier jour, et même avant la prise de pouvoir. Donc depuis 1994, l'Occident a fermé les yeux sur toutes les dérives de ce pouvoir en se disant que le président Kagame avait beaucoup de mérite d'avoir tenté de relever ce pays où la majorité de la population avait massacré une minorité de la population. Et que donc, de toute façon, Hutu, la majorité, signifiait coupable, et que Tutsi signifiait victime. Et que donc, dans un tel pays où il y a une majorité de coupables, il était très compliqué d'établir du jour au lendemain une démocratie parlementaire exemplaire et un respect des droits de l'homme. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a beaucoup pardonné, beaucoup fermé les yeux sur les excès du régime, en se disant que de toute façon, Kagame faisait face à une tâche impossible d'essayer de réconcilier un pays qui était composé pour sa majorité de massacreurs et pour sa minorité de victimes des massacres. C'est ça qui a bâti la légitimité internationale du Rwanda de Paul Kagame. Sur le plan intérieur... Cela, évidemment, a été un gros mensonge parce que... Bien sûr. Les Hutus aussi ont été tués. Mais bien sûr. Comme je le dis toujours, j'ai horreur de faire une comptabilité morbide pour savoir combien il y a eu de Tutsis, combien il y a eu de Hutus massacrés, même si on se limite. Parce que c'est ça aussi l'un des mensonges. C'est que dans l'esprit du grand public, en tout cas ceux qui se sont intéressés au Rwanda, la guerre du Rwanda se limite à cette période de quelques mois, de 100 jours, qui va d'avril à juillet 1994. Peu de gens rappellent, comme vient de le faire Monsieur l'ambassadeur, qu'en fait cette guerre avait commencé depuis le 1er octobre 1990, mais elle était passée largement inaperçue dans l'opinion publique et dans les grands médias occidentaux. Et donc les massacres avaient commencé dès le début de cette guerre. Mais l'opinion publique, la conscience collective internationale n'a retenu que ces 100 jours, en oubliant, bien sûr, on a oublié de l'informer, cette bonne conscience internationale, que même durant cette période de 100 jours, les massacres ont continué des deux côtés. Et que si le régime intérimaire qui a été mis en place après l'assassinat du président Habyarimana a laissé faire, et peut-être certains de ses membres ont participé à des massacres de grande ampleur de Tutsi, et ça au vu et au su de tous, je dirais, puisqu'il y avait une forte présence de journalistes internationaux qui ont pu couvrir les événements en territoire contrôlé par le régime de Kigali. Tandis que de l'autre côté, dans le territoire contrôlé par le FPR, qui est allé en grandissant, puisque le FPR avait lancé une offensive générale, les massacres ont été commis
de manière secrète, je dirais, puisqu'il n'y avait pas de journaliste, en tout cas pas de journaliste en liberté, dans la zone contrôlée par le FPR. Donc, durant ces 100 jours, des massacres de masse ont occulté d'autres massacres de masse. Et nous n'avons retenu, enfin, nous, oui, je me comprends dans le lot, parce que moi aussi, j'y croyais à l'époque, avant d'aller au Rwanda et avant de comprendre certaines choses, nous étions persuadés, effectivement, que les massacres, dans leur immense majorité, avaient été commis par le gouvernement intérimaire ou les milices extrémistes Hutus, et en tous les cas, par des Hutus, contre la minorité Tutsi. Nous ne savions pas qu'au même moment, d'autres massacres se déroulaient dans le plus grand secret. Donc, l'autre, je fais souvent un parallèle que vous allez apprécier ou pas avec l'Algérie. Il y a eu une crise diplomatique entre la France et l'Algérie il y a quelques mois, vous en souviendrez sans doute, parce que le président Macron avait osé parler du narratif officiel de la lutte de libération, de la lutte pour l'indépendance menée par le FLN, en disant que le régime en place en Algérie depuis l'indépendance bénéficiait d'une rente de légitimité, je crois qu'il avait appelé, Macron avait appelé ça. Eh bien, cette approche, cette analyse convient tout à fait au Rwanda également, parce que donc en Algérie, si vous commencez à dire qu'il y avait davantage d'Algériens qui combattaient du côté de l'armée française que dans les rangs du FLN, si vous commencez à dire qu'une grande partie des morts de la guerre d'Algérie ont été le fait de luttes internes au sein du FLN, vous sabotez la légitimité du régime, puisque le régime algérien depuis l'indépendance s'est bâti sur une histoire officielle de l'héroïque lutte de libération nationale d'un peuple qui s'est levé comme un seul homme pour bouter hors d'Algérie l'épouvantable colonialiste auteur de tant de crimes. Eh bien, au Rwanda, c'est un peu la même chose. Si vous commencez à dire, oui, c'est vrai, les Tutsis ont été massacrés par des milices Hutus, voire même par des éléments du gouvernement intérimaire, mais au même moment, le FPR commettait également des massacres qui ont visé les populations Hutus des zones qui passaient sous le contrôle du FPR, à ce moment-là, vous faites voler en éclats le mythe de héros venus pour sauver les Tutsis du génocide. Et donc, vous remettez en cause la légitimité de ce pouvoir de Paul Kagame. C'est pour ça que je fais ce parallèle un peu hasardeux entre l'Algérie et le Rwanda. Mais en tout cas, je suis entièrement d'accord avec M. l'ambassadeur quand il parle de terreur. Effectivement, alors moi j'ai... le peu que je connais du Rwanda, ce n'est pas le Rwanda d'Habyarimana. Je n'ai jamais mis les pieds dans le Rwanda de l'Ancien Régime. Je ne connais que le Rwanda de Paul Kagame. Et je peux témoigner que ce pays, enfin, sous le joug de ce régime, c'est un pays où règne la peur. J'ai toujours été frappé, même au pire moment de la guerre au Congo, où j'ai beaucoup travaillé également pendant très longtemps, j'ai toujours été frappé du contraste entre les deux côtés de la frontière. D'un côté, vous aviez du côté Goma ou du côté Bukavu, un peuple qui, malgré toutes les vicissitudes, malgré toute la misère, malgré l'occupation étrangère, on sentait au Congo, malgré tout, une joie de vivre. La musique et tout le reste, les Congolais sont des gens qui avaient gardé leur jovialité malgré tout leur malheur. Mais dès qu'on passait la frontière rwandaise, et j'ai souvent traversé le Rwanda à l'époque pour aller par la route depuis Kampala jusqu'à Goma ou jusqu'à Bukavu, j'étais toujours frappé par le contraste saisissant qui existait entre les deux côtés de la frontière. Côté rwandais, j'ai toujours été frappé par le fait que sur cette route qui va de Gisenyi à Kigali, je voyais au bord de la route des gens qui marchaient en file indienne, qui marchaient beaucoup, la tête baissée, qui ne regardaient pas, qui ne souriaient pas, qui ne chantaient pas, on sentait l'oppression. Puis je n'ai pas mis les pieds au Rwanda depuis 2002. Mais donc, effectivement, ce régime qui était issu d'une minorité de la minorité, puisque je rappelle que Paul Kagame n'est pas représentatif de l'ensemble des Tutsis, il est, au départ, il était un peu représentatif
de la communauté Tutsi d'origine rwandaise qui vivait en Ouganda. Et même cette base s'est peu à peu érodée. Mais en tout cas, donc, je dis toujours que il est issu de la minorité de la minorité. Et donc, pour asseoir un pouvoir sur une majorité qui est hostile, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que de régner par la terreur. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'a fait Pol Pot au Cambodge, c'est ce que fait Paul Kagame au Rwanda depuis 1994. Merci Hervé Joséphville pour avoir soulevé certains points de la répression qui caractérise Paul Kagame. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Aguimara Jean-Marie Vianney aussi l'avait dit. Vous faites bien de souligner justement les mensonges sur lesquels, enfin, certains, quelques-uns des mensonges sur lesquels Kagame et le FPR ont construit une certaine crédibilité. Mais je reviens sur ce que j'ai dit au début. Est-ce qu'ils étaient si menteurs que ça? Ou alors, leurs mensonges ont rencontré un peu de crédulité voulue, ou alors leurs mensonges a rencontré un peu, j'ai utilisé, de cupidité, quelque part, une volonté d'accepter ou de croire en certaines choses, alors que, de toute façon, il n'y a que le menteur qui est intelligent. Le menti aussi, celui à qui on ment, il peut aussi être intelligent. Voilà, ça c'est une certaine, je ne sais pas comment on peut mettre ensemble tout ça. Est-ce qu'ils étaient aussi bien menteurs, aussi bons menteurs? Ou alors l'Occident, ou alors les gens, certaines gens ont préféré, ont choisi de les croire et de les soutenir malgré qu'ils ne croyaient pas aux mensonges. Voilà, ambassadeur d'Aguimara Jean-Marie Vianney, comment analysez-vous cela? Moi, personnellement, je suis un peu gêné par le terme « crédibilité ». Je préférerais plutôt dire, mais pourquoi les pays étrangers, notamment les pays occidentaux et les autres aussi d'ailleurs, hein, pourquoi ils croyaient ou ils croient toujours, certains, tout ce que Paul Kagame et son parti et son gouvernement leur disent, même quand ils savent que ce sont des mensonges? C'est ça la grande question, en fait. Vous savez, les États-Unis, c'est pas... Ce n'est pas des gens mal renseignés. Ils sont très renseignés. Ils sont très renseignés, mais ils ne peuvent pas contredire Paul Kagame comme ça. Non, d'abord, ils savent qu'ils ont travaillé avec lui, y compris pendant la guerre, y compris pendant que se déroulaient les pires crimes dans les rangs du FPR contre les populations locales de l'endroit ou des endroits que le FPR occupait progressivement entre 1990 et 1994. Ils savent qu'ils lui ont fourni des armes à travers le territoire rwandais aussi, officiellement. Hein. Ils savent qu'ils lui ont donné les moyens de cette victoire le juillet 1994. Et donc, ils savent qu'indirectement, ils peuvent être, non pas accusés vraiment, mais soupçonnés d'avoir été complices des crimes que Paul Kagame a commis, parce que le FPR a commis des crimes très, très graves, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes même de génocide pendant sa progression vers le pouvoir et après, pendant le génocide des Tutsis et après. Donc, tout ça a été couvert, plutôt bien, bien présenté au public international. Le grand mensonge originel, c'est « nous avons arrêté le génocide ». Donc, les gens qui ont arrêté un génocide ne peuvent pas se livrer à un génocide, ne peuvent pas commettre des crimes.
Même lorsque le rapport Mapping est sorti en 2010, ils ont dit non, ce n'est pas nous, vous ne parlez pas de nous. Nous avons rapatrié les réfugiés rwandais, ou une grande partie des réfugiés rwandais. Donc, après avoir rapatrié des Rwandais, vous ne pouvez pas nous accuser d'en avoir massacré. Ce n'est pas bête, hein, la façon dont ils présentent les choses. Mais l'un ne peut pas exclure l'autre, je pense. Oui, mais vous le dites comme ça, mais il y a des techniques. Rappelez-vous, un jour à Bruxelles, il y a un ancien haut dignitaire du FPR qui nous a expliqué publiquement comment ils allaient à des formations pour apprendre à mentir, et surtout pour mentir aux Blancs. Il nous a expliqué ça à une conférence. Il a dit, voilà comment on nous formait, comment nous devions nous comporter devant face à des Blancs qui étaient plus ou moins soupçonneux. Voilà comment il fallait les regarder et voilà ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait leur dire pour qu'ils n'osent plus parler. Ah, c'est une école pas n'importe qui, c'est un ancien secrétaire général du FPR quand même, qui était aussi un haut officier de ce parti. Si on vous dit qu'ils ont appris, qu'on les a formés à l'armée, les civils qui étaient des cadres du FPR, on les formait à mentir. Et surtout, leur disait-on, à mentir aux Blancs, parce que ce sont les plus dangereux. Il ne faut pas qu'ils sachent ou qu'ils osent dire ce que nous avons fait de mal. Donc, d'un côté, il y a tous ces crimes-là que certains pays occidentaux, et peut-être même des pays non occidentaux, les ont aidés à commettre quelque part, peut-être sans le savoir, mais ils sont malheureusement complices. Et donc, ces derniers ne sont pas, ils vont pas se presser pour aller dire « oui, c'est vrai, nous les avons aidés à tuer des citoyens rwandais ». Et d'autres, ils vont se dire « tiens, effectivement, en 1994, on a été lâches, on n'a rien fait ». Donc, ce n'est pas à nous à leur apprendre ou à leur rappeler qu'ils n'ont pas arrêté le génocide, puisque nous, on n'a rien fait, alors qu'on avait la machine onusienne à notre disposition, alors qu'on pouvait agir. Regardez un peu l'attitude du général Roméo Dallaire. Dallaire, c'est probablement un des hommes les mieux informés sur le génocide des Tutsis et sur tout ce qui s'est passé pendant cette période. Il a écrit un livre spontanément, je pense honnêtement, où il a tout dit, où il a parlé du rôle du FPR dans cette guerre et dans les crimes que le FPR a commis, où il a laissé s'exprimer certains de ses adjoints qui lui disaient « Général, le FPR est en train de commettre des massacres à répétition et massifs dans le Nord ». Il a écrit dans son livre. Il a donné un témoignage sur les échanges ou sur les discussions qu'il a eues avec Paul Kagame. Ça s'est arrêté à son livre. Une fois que le livre était sorti, il ne fallait plus demander à Roméo Dallaire de parler de tous ces événements. C'était fini, c'était terminé parce qu'on lui a fait peur, tout le monde le sait, y compris d'ailleurs le gouvernement canadien lui a confié des responsabilités politiques pour qu'il ne parle plus du FPR. Donc tout ça, ce n'est pas parce que Roméo Dallaire n'aime pas la vérité. Il sait qu'à trop parler de la défaillance ou des défaillances de Paul Kagame et de son parti et du système international, il sait que lui-même pourrait être mis en cause parce que c'est lui qui dirigeait les troupes des Nations Unies au Rwanda. Donc, il préfère se taire. Les Américains, j'ai été à Washington en octobre, début octobre, avant ma démission. Eh bien, ils nous ont dit clairement qu'ils savaient que le FPR était en train de massacrer des populations Hutu. J'accompagnais le président Bizimungu et les autorités américaines nous ont dit ça directement, le secrétaire d'État adjoint, M. Moose, le patron de l'USAID et les autres, ils ont dit il faut arrêter ça. Et puis à la fin, après moult échanges entre pasteur Bizimungu, le président, et le secrétaire d'État adjoint, celui-ci nous a dit, écoutez, ok, on va couper la poire en deux. Hein, comme si on découpait les hommes massacrés par le FPR. Il a dit, on va couper la poire en deux, aidez-nous à vous aider. L'aide dont nous avons besoin pour nous
nous sentir à l'aise quand même devant tous ces drames, c'est que ça s'arrête. Si les massacres, si les crimes commis par le FPR s'arrêtent, nous allons vous aider à mettre dans les meilleurs tiroirs sécurisés le rapport Gersonic. C'était le premier rapport du HCR qui parlait de génocide contre les populations Hutu. Eh bien, côté américain, ils ont oublié cette affaire. Ils ont tout fait pour protéger le FPR d'accusations quelconques concernant cette période. En revanche, le FPR, lui, a continué les massacres. Il a poursuivi les massacres. Trois années plus tard, c'était au Zaïre, où l'hécatombe s'est poursuivie. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. Pour certains, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin qu'ils ne sont allés, de peur d'être eux-mêmes accusés, et puis de toute façon, qui va accuser les États-Unis. Pour la France, par exemple, la France, c'est la fameuse technique d'intimidation de ces Blancs. On leur dit, écoutez, non, ne dites pas ça, hein, ne parlez même pas de ça, parce que nous allons vous accuser de ceci. Et ça se poursuit aujourd'hui. Ils sont tellement forts dans ce mensonge et dans la manipulation qu'ils en sont arrivés à convaincre le gouvernement français actuel que la France avait participé au génocide. Que la France était le mauvais élève en 1994, alors qu'elle a été le meilleur élève, celui qui a poussé à organiser l'assistance, celui qui s'est, j'allais dire, proposé la première d'ailleurs, pour envoyer des troupes, arrêter le génocide. Mais eh bien, non, c'est le mauvais élève. Ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui ont tout fait pour que les troupes de l'ONU ne fonctionnent pas, n'arrêtent pas ce qu'ils pouvaient pourtant, effectivement, comme Hervé Cheville l'a dit, avec après le départ d'une partie de la MINOA, les 2500 soldats qui restaient pouvaient toujours arrêter, je le dis, ils pouvaient arrêter les massacres dans notre pays. Ils pouvaient. Même 1000 hommes. Si vous parlez avec le colonel Marshall, il va vous dire, moi, avec 800 hommes, si on m'avait laissé faire, j'aurais arrêté le génocide. Eh bien, personne ne le voulait. Ceux qui le voulaient étaient minorisés. Et même M. Bobo, qui était le patron de la MINOIR, le patron politique, qui représentait le secrétaire général des Nations Unies. Moi, si on me demande ce qu'il a fait réellement, je ne le sais pas. Pourtant, c'était lui le boss. C'était le patron de la MINOIR. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette période? Tout était laissé entre les mains du général Roméo Dallaire. Le peuple rwandais a été laissé à l'abandon. Le peuple rwandais a fait les frais de cette lâcheté internationale. Et bien sûr, tout ça grâce aussi à la manipulation et au mensonge du FPR. Et vous avez soulevé un point très important, la complicité. La complicité de certaines puissances, de certains pays occidentaux qui n'osent pas ou qui n'ont pas osé s'opposer à certaines périodes au FPR parce qu'ils avaient des squelettes dans leur placard qu'ils ne voulaient pas que le FPR déterre. Donc, cette complicité est quelque chose de très, très important. Est-ce qu'elle était la même de la part des pays occidentaux et des pays africains, par exemple? Les pays africains, lesquels? Parce que le seul pays africain à être intervenu militairement au Rwanda pour aider le Rwanda, c'était en 90, c'est le Zaïre de Mobutu. Quelques temps seulement, ils sont repartis. L'autre, celui qui a joué le grand rôle, qui est l'initiateur de cette guerre, en fait, c'est l'Ouganda de Museveni. Mais là aussi, il ne fallait pas y toucher. D'abord, la première année, lors de l'attaque, le président Museveni était président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc là, il a tout fait. J'étais encore à Addis Abeba, ambassadeur. Il a tout fait pour nous empêcher de parler du rôle de l'Ouganda. Personnellement, j'ai été menacé
Malheureusement, Kigali a confirmé que c'est moi qui avais tort, parce que j'avais dit que l'Ouganda était l'agresseur. Le gouvernement rwandais a instruit son ambassade, notre ambassade à Kampala, pour qu'il me contredise officiellement par note verbale. Vous savez, à partir du moment où vous faites une note verbale, où un gouvernement fait une note verbale en disant « Non, 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 notre ambassadeur à Addis Abeba s'est trompé. En fait, l'Ouganda n'est pas impliqué dans cette guerre. Au contraire, elle nous aide à faire la paix, à raisonner les rebelles. C'est fini. Sur le plan diplomatique, c'est terminé. L'Ouganda était devenu un pays apporteur de paix. Alors que c'est le président Museveni, président en exercice, quand même, entre octobre 90 et juillet 91, c'est Museveni qui était le patron de l'Afrique. Il a tout fait pour empêcher les autres chefs d'État d'organiser quoi que ce soit, parce que je le sais, parce qu'avant mon départ à Paris, j'ai vu le secrétaire général de l'OIA, j'ai vu des ambassadeurs, Eh bien, leur pays aurait aimé. J'ai rencontré les plus hautes autorités éthiopiennes qui, en ce moment-là, étaient révoltées de voir un pays africain agresser un autre. Ils m'ont dit, vous savez, nous, on a voulu convoquer une conférence ad hoc pour la question du Rwanda. L'Ouganda s'est interposé et nous ne pouvons pas le faire. Ça, c'est le ministre éthiopien des Affaires étrangères qui me l'avait dit. Eh bien, donc, il y a eu beaucoup de force, une combinaison de force, une combinaison de manœuvres internationales pour que tout se passe comme cela a été prévu. Et vous savez, quand quelques années avant, en 1986-7, après mon arrivée à Addis Abeba, j'ai rencontré le chargé d'affaires américain qui venait de Kampala. Il était ambassadeur à Kampala, mais en Éthiopie, il n'était que chargé d'affaires pour des raisons diplomatiques. Parce qu'il n'y avait pas un diplomate de rang d'ambassadeur. Donc, en arrivant à Addis Abeba, il a été rétrogradé pour les besoins de la cause. Et cet ambassadeur m'a dit, vous savez, monsieur l'ambassadeur, moi je viens d'Ouganda, de Kampala, je vous préviens, vous aurez une guerre bientôt. Il m'a dit ça. Moi, un bon diplomate discipliné, j'ai fait un rapport à Kigali en disant l'ambassadeur chargé d'affaires américain à Addis Abeba m'a prévenu qu'il a des renseignements parce qu'il connaissait très bien tous ces gens, les Guigema, les Kagame et les autres, il les connaissait très bien, il les avait rencontrés à plusieurs reprises. Dans la suite, malheureusement, je n'ai pas pu le rencontrer. Je sais qu'il bougeait aussi, il était toujours dans la région, en Somalie ou je ne sais plus où. C'était un grand fonctionnaire des services de sécurité américains. Et cet homme-là, il voulait nous prévenir en fait. Mais on n'a pas fait beaucoup attention. Ceci dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Même si le savoir ne suffisait pas. Encore fallait-il avoir les moyens de prévenir cette guerre. Mais ça a peut-être servi à changer un peu l'esprit qu'il y avait à Kigali concernant le problème des réfugiés quand même. Parce que jusque-là, jusqu'en 86, au moment où la fameuse déclaration du comité central sur la problématique des réfugiés est sortie, il n'y avait pas vraiment ça ne bougeait pas à Kigali. C'est après, quand ils ont reçu assez d'informations, quand ils ont eu des conseils de certains gouvernements amis, c'est après qu'ils se sont dit, écoutez, on va changer, on va discuter avec les réfugiés. Eh bien, c'était trop tard. Mais tout ça fait partie d'un package de choses que si on les avait dites à temps, je suis en train de rêver peut-être, mais si on avait mis en cause Museveni dans la guerre, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Mais bon, ce n'est pas moi qui ai décidé. Justement, ça raconte ce que tu as dit tout à l'heure, le mensonge du FPR, du président Kagame et du FPR, du système FPR, n'a pas débuté en 94 ou en 94, quand ils ont pris le pouvoir. Ça a débuté depuis que le FPR est né. Dire qu'il y a une même école du mensonge,
un institut. Et une organisation, Aloïse, je vais peut-être paraître long, mais puisque vous en parlez, je vais à l'OUA même, pendant que se déroulait la guerre, pendant que la guerre était lancée, dans le cabinet du secrétaire général, il y avait un ami qui était devenu un ami, un Tanzanien, mais un réfugié rwandais qui était devenu Tanzanien, diplomate, il a ensuite été d'ailleurs nommé ambassadeur, mais qui était membre du FPR. Il était directeur de cabinet adjoint de Salim Ahmed Salim. Vous imaginez? Le FPR attaque et le directeur de cabinet adjoint, c'est un membre du FPR. Après la guerre, j'ai rencontré Salim Ahmed Salim, hein, qui était passé à Kigali une fois là. Eh bien, il m'a dit une chose, il m'a dit, je regrette d'avoir eu cette personne à côté de moi pendant la guerre. Et il m'a dit d'ailleurs, à la fin de la guerre, il est rentré au Rwanda sans rien me dire. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Il y avait d'autres fonctionnaires comme ça qui servaient un peu de paravent, mais qui ont beaucoup, beaucoup aidé le FPR. Que les réfugiés puissent percer dans leur pays d'accueil, monter dans la hiérarchie. Pourquoi pas? Certains Rwema au Congo, tout près de Mobutu. C'était le grand conseiller de Mobutu. Margui Guéma était quasiment le chef de l'armée ougandaise. Ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que il faut se compagnie justement à ce pays d'accueil et qu'il se lance dans des activités contraires aux intérêts du pays qui les a accueillis, qui les a montés dans la hiérarchie, tout ça. Bon, mais parce que les aiguilles de mon horloge filent à toute vitesse, je voudrais qu'on avance et qu'on parle justement de l'évolution. Oui, Hervé Joséville, tu voulais... Je voudrais quand même, avant que j'oublie, je voudrais quand même rebondir sur certains propos qui ont été tenus jusqu'à présent et peut-être développer un peu. Vous parliez au départ de légitimité. Alors là, je pense que le plus gros des mensonges du régime, enfin de Paul Kagame en particulier, peut-être le plus cynique, c'est de s'être identifié lui-même et ses collègues comme une victime. Il a joué sur le fait, aux yeux de la communauté internationale, il a joué sur le fait qu'il était lui-même Tutsi et que ses camarades l'étaient également et que les Tutsis étaient les victimes du génocide. Donc, nous sommes aussi des victimes. Ouais. Comment est-ce qu'une victime peut devenir un bourreau? C'est pas possible. Donc, mais ce que la communauté internationale n'a pas compris, c'est qu'il y avait deux catégories de Tutsis. Il y avait les Tutsis de l'extérieur, d'où est sorti Paul Kagame et ses camarades, et les Tutsis de l'intérieur, qui ont été allègrement abandonnés à leur triste sort par le FPR. Puisque si réellement Paul Kagame avait voulu mettre fin au massacre en cours qui visait les Tutsis à partir d'avril 1994, sa priorité stratégique aurait dû être de foncer sur Kigali et de s'emparer du pouvoir le plus rapidement possible. Or, est-ce que bien garder de le faire en faisant un mouvement tournant, en allant d'abord vers le sud pour couper l'accès à la Tanzanie, puis de retourner vers l'ouest pour couper l'accès au Burundi, ce qui fait que quand la population rwandaise et les Hutus en particulier ont commencé à fuir, ils n'avaient qu'une seule destination possible, c'était le Zaïre. Et donc, il y a un temps fou qui a été perdu d'un point de vue militaire, hein, et du point de vue du FPR, je dirais, il y a un temps fou qui a été perdu si le FPR avait fixé comme priorité d'en finir avec le régime intérimaire, ils auraient pu le faire beaucoup plus tôt. Donc voilà, le plus gros des mensonges, c'est de se présenter aux yeux de la communauté internationale comme le représentant des victimes, ce qu'il n'est en aucun cas.
Deuxième point sur lequel je voulais rebondir, le rôle du président Museveni, monsieur l'ambassadeur, a tout à fait raison de dire que ce rôle de l'Ouganda de Museveni a été trop longtemps occulté. Il serait peut-être temps d'en parler un peu plus. Et trop souvent, le président Museveni a joué le rôle de ce que j'appellerais un pompier pyromane. Il l'a encore prouvé dernièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et que donc, il se présente, surtout aujourd'hui, l'âge venant et l'ancienneté, c'est devenu maintenant l'un des doyens du continent africain, l'un des doyens des chefs d'État, il se présente un peu comme le vieux sage, mais en fait, Museveni n'a pas cessé d'allumer des incendies pour ensuite se présenter aux yeux de la communauté internationale comme étant celui qui tentait de les éteindre. Il a fait ça au Soudan voisin, enfin, qui est devenu ensuite le Soudan du Sud. Il a fait ça au Congo et il le fait encore. Il le fait encore à l'heure où nous parlons et il l'a fait pour le Rwanda. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais rebondir et qui a été effleuré par monsieur l'ambassadeur et par vous-même, c'est que l'un des grands succès du régime, c'est son art du lobbying, son art de l'entrisme, en utilisant les communautés Tutsi de par le monde. Il a réussi à jouer un rôle comme celui qu'a décrit M. l'ambassadeur auprès du secrétaire général de l'OUA de l'époque, et il le fait encore aujourd'hui en France, avec des certaines personnes d'origine rwandaise qui jouent un rôle puissant de lobbying, d'agent d'influence, de Rwandais d'origine, mais pas seulement, puisqu'il y a également parfois leurs conjoints et parfois des gens que je qualifierais de, comment on les appelle, des idiots utiles qui croient sincèrement l'histoire officielle présentée par le régime, qui ne sont pas rwandais, mais qui ont épousé cette cause et qui défendent aveuglément l'histoire officielle qui est présentée et qui jouent un rôle actif de lobbying dans le milieu associatif, dans le milieu politique, à l'Assemblée nationale, pour ne parler que de la France, mais je pourrais parler également de ce qui se passe en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ou ailleurs. Voilà les trois points sur lesquels je voulais un peu rebondir par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Merci, c'est enrichissant. Et je voudrais d'ailleurs te donner un coup de main, ce n'est pas un coup de poing, parce que sur le point que vous avez souligné, qui montre que Kagame n'a pas réellement voulu aider les Tutsis de l'intérieur, ni les sauver, c'est que s'il y avait vraiment un brin d'empathie pour ces Tutsis qui étaient à l'intérieur, beaucoup de gens, beaucoup de témoins, dont Dallaire, disent qu'ils avaient prévenu le FPR et le président Kagame, que si jamais il attaque le Rwanda, le gouvernement qui était en place, et qu'il devient menaçant, que les Tutsis de l'intérieur risquaient d'avoir des problèmes. Même moi qui étais un jeune sur la colline, ça je le savais. Kagame ne pouvait pas ne pas le savoir. Si il le savait, et que après avoir signé les accords d'Arusha, il n'a pas voulu que ces accords soient mis en place pour que tous les Rwandais, ceux qui venaient, ceux qui rentraient de l'extérieur, ceux qui étaient à l'intérieur, soient vivent en paix par le biais de ces accords. Et que par après, il a fait la guerre, il a abattu l'avion du président Habyarimana et d'Antalyamira, des Français qui étaient dans cet avion. Kagame n'aurait pas fait ça si jamais il avait une once de sympathie, de compassion pour les Tutsis qui étaient à l'intérieur. Il aurait prévenu les massacres de ces Tutsis qui étaient à l'intérieur. Donc, il ne pouvait pas ne pas le savoir. Il n'avait pas Aloïse, excusez-moi. Oui. Je ne vais pas vous interrompre sur ce sujet, je vais plutôt vous compléter comme vous l'avez fait
Oui, pour allez-y. Hervé Chesville. Ce n'est pas, nous ne devons pas donner l'impression de le découvrir aujourd'hui. J'ai toujours témoigné, je l'ai écrit dans mon livre, que la réponse de Paul Kagame lorsque l'armée rwandaise demandait une trêve de 72 heures, et là c'est en avril 1994, alors que le génocide venait de commencer à peine, alors que l'armée rwandaise avait écrit une lettre officielle en demandant au FPR éventuellement de constituer un bataillon mixte. Souvent, on dit que c'est le FPR qui a demandé ça. Non, l'armée rwandaise a demandé ça. C'est écrit. J'ai encore la note manuscrite signée du chef d'état-major rwandais, de l'armée rwandaise. Ils m'ont répondu. Je l'ai déjà répété 1000 fois. J'en ai témoigné à plusieurs reprises. J'en ai témoigné au TPIR. J'en ai témoigné partout. Kagame disait, les Tutsis dont vous parlez, monsieur, ce sont vos Tutsis à vous. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a envoyé dire par Biosagara et par Patrick Mazoyer. Il a dit, ce ne sont pas nos Tutsis à nous, ceux-là. Ces Tutsis-là qui étaient au Rwanda ne sont pas nos Tutsis. Nous, nous avons attaqué le pays pour rapatrier nos frères, nos parents, nos amis Tutsis réfugiés. Votre outil à vous, vous en faites ce que vous voulez, m'avait dit Biro. J'ai dit, mais pourquoi tu me mets avec ceux qui sont en train de tuer nos parents? Il m'a dit, en tout cas, débrouillez-vous. Il a répété ça au général Dallaire. Moi, on peut dire, oui, à la limite, vous êtes avec l'opposition. Mais le général Dallaire n'était pas dans l'opposition à l'époque, ni ne faisait partie d'aucun parti rwandais. Le général Dallaire était le patron de la mine noire. Il lui a dit, c'est écrit dans le livre de Dallaire. Il lui a dit, mon général, vous savez bien que nous, ce qu'on veut, c'est arriver à Kigali et prendre le pouvoir. Vous êtes un militaire comme moi. Il lui a dit, si nous tentons d'aller arrêter les massacres, le massacre des Tutsis, ça veut dire que nous allons nous disperser. Alors il a dit, nous attendons tranquillement que les phares soient désorganisés par les Interahamwe qui sont partout au front avec ou contre les militaires des phares. Alors quand l'armée sera complètement désorganisée et fatiguée, alors nous allons sauter à leur cou et à leur gorge pour prendre le pouvoir. Voilà la stratégie. Quelle était la stratégie de Kagame? Attendre, effectivement, que les Interahamwe continuent à massacrer les Tutsis, et seulement après, quand il n'y aura plus de résistance, eh bien, c'était pour trouver le prétexte rêvé, le massacre des Tutsis, qui allait être un justificatif suffisant pour permettre à Kagame de prendre le pouvoir et d'être considéré comme le faiseur de paix. Ça, c'est quelque chose que le FPR ne peut pas nier. D'ailleurs, vous savez, quand j'ai publié mon livre, c'était en 2005. Eh bien, ils ont critiqué le livre, ils m'ont traité de négationniste sur d'autres points, mais pas sur celui-là. Pas sur mon témoignage. Je suis allé au tribunal pénal international dans deux ou trois affaires. Je n'étais pas un témoin de factuel hein, sur ce qui s'était passé. Il a commis le génocide ou il a massacré ou pas, non. J'étais un témoin contextuel. Je ne Eh vois pas bien, comment ils pouvaient vous attaquer parce que vous montriez des preuves. tout à fait, tout à Et fait. les faits, vous Mais pas parliez seulement les. ça. J'ai même demandé au tribunal, j'ai fait une sorte d'appel, hein, je ne sais plus comment ils disent ça en droit. J'ai dit, si vous pensez que ce que je dis n'est pas vérifiable, appelait le général Marcel Gatsinzi, qui est ministre de la Défense. Oui, à l'époque, je ne sais pas s'il était encore ministre, oui, c'est ça. Appelez-le, qu'il vienne au tribunal, que je lui rappelle ce qu'on a essayé de faire ensemble pour arrêter les massacres. Et non, le gouvernement rwandais a refusé de libérer Marcel Gatsinzi pour venir au TPIR. Il ne pouvait pas le faire parce que moi, j'avais encore les papiers signés de la main de Marcel Gatsinzi.